Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être en 2 jours, mais elle sera tout rassemblée en un. Donc du coup je pense qu'elle sortira peut-être dimanche ou peut-être lundi. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire la guitare réveil 75. Donc c'est toujours le même principe. Vous allez voir Conan qui est à Avon. Vous faites une collection atemporelle de classiques et là vous avez toutes les éveillées. Du coup, nous, on va prendre la guitare, si je la trouve. Donc, ça va vous. Il vous faudra 2625 PO. Yes. Donc, voilà. Du coup, on va aller le lire ensemble. On va l'accepter, puis après, on va aller le lire tranquille au pépère. Hop. Vous ne voulez pas jouer à un petit morceau avec moi? Une voix pleine d'espoir s'élève du livre. Je suis le lutin guitare, et je suis enfermé dans ce tome ancien. C'est donc vous, le ga légendaire gardien du cristal bleu? Depuis la nuit des temps, nous les lutins mettons un point d'honneur à aider les héros comme vous. Je peux vous aider à libérer les pouvoirs cachés de votre guitare, mais vous devrez d'abord m'aider. D'accord, ok, comment? Réussissez mon test et ramenez-moi quelques matériaux pour me montrer que vous êtes motivé. D'accord. Dans l'épreuve du héros caverne de schiste, arrachez le noyau cinétique de robot, Veto et tuez Tarjeta, récupérez ses crocs. Donc, caverne du schiste, il me semble que c'est en HUS, donc c'est le mercredi et samedi pour ceux qui ne le sauront pas. Quant à Tarjeta, c'est un mutant. Et ça, bon courage pour le trouver. Allez ensuite à Avon trouver Zividar et récupérer l'épine comateuse. En plus, l'association Arcanum possède la marque de l'épine Méloman, dont j'ai désespérément besoin, pardon. Enfin, trouver un moyen de mettre la main sur la pierre fluorescente du monde céleste et de la pierre d'azur du monde céleste au labo Vingo. Je crois que la bête ultime et le chevalier des glaces Isolda gardent un œil dessus. Ok. Quand vous serez prêt, rapportez-moi la marque de l'épine mélomane, la guitare divine et l'instrument du diable. Je les ferai fusionner et pourrai alors libérer le pouvoir de la guitare. Ok. Donc pour moi, je sens que certains points vont être compliqués, mais ça devrait le faire. Donc comment je vous dis ça, c'est par rapport déjà à Isolda et la bête ultime, sachant que je les ai jamais faites, mais je pense que ça devrait le faire. Faut juste espérer que ça soit ma classe quoi. Donc ouais. Donc là on va commencer par me faire groupe peut-être. Hop, tac. Et du coup, je pense qu'on va commencer par drop la guitare, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas celle-là. Donc du coup, on va commencer par la guitare. Donc elle se trouve dans Abysse glacée de Scléros, donc toujours en raid. Et plus qu'à prier que ça passe. Parce que sinon, je te montre de l'aide au pire. Ouais, au pire, ouais. Du coup, on est sur le boss final, donc merci Kiri de m'aider. Et ce donjon, parce que je l'apprécie. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur tous les HQ un peu complexes. Donc 70 jusqu'à 85 peut-être avec des gens pour donner des petites astuces, je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, bah, let's go. Ok, j'ai être des cuillères, ok, bah, pas de soucis, m'écoute. Non, Kiri, s'il te plaît, tu ne meurs pas. Merde. Ouais.
Erreur de... Bah, de mon erreur, en fait, faut les tuer tous les deux en même temps, moi j'avais pas compris ça. Donc, bah du coup, bah c'est reparti, on va recommencer, écoutez. Hein. Bon, on a réussi enfin à les passer par miracle, donc faut être deux, faut les tuer ensemble, donc coordination, hein. Par contre, le... J'ai vendu mes potions. Mais écoutez, on va tester, hein. Non, bah, nice. Je sens que ce donjon va être casse-couille. Je le sens direct. Bon, bah, ce qui paraît, faut que je fasse l'appât, donc on va faire l'appât. Viens, mon petit. Viens, mon gros petit. Viens, mon. Aïe, aïe. Ah, mais il fait mal. Bouge ton cul pour le faire, mais il fait un peu mal au cul, hein. Ok, bon, tu sais quoi, on va courir, on va le run un peu. Mayday, Mayday, bouge ton cul, merci. Bon, du coup, on a un peu foiré, donc on va le recommencer. On va y arriver, je pense. Bon! Round 2. Donc là, en gros, l'un s'occupe de celui-là, l'autre s'occupe de l'autre. Donc celui-là, c'est les PM et l'autre, c'est les PV. En fait, avec les cuillères, faut récupérer un coffre, enfin deux coffres, et faut le casser, et c'est là où tu es censé drop la fameuse arme, sauf que en fait là ça va me saouler. Parce qu'on n'arrive pas à choper donc on le refait. Donc je reviens vers vous dès qu'on l'a fini, un jour. Enfin du moins dès que je l'ai. Bon, après une guerre de trois donjons, on a enfin réussi à le choper. Donc il est ici ce petit con. Comptez pas sur moi pour le refaire. Et maintenant on est bon à tout refaire. Nice. Bon du coup là on va aller à Labo Vingo, histoire d'avoir Bet Ultime et Isolda. C'est nickel, il y a tous les boss qui sont là, donc je pense qu'on va commencer par Isolda. Bon du coup il m'a pas attendu mais voici Isolda, simple à faire comme bonjour, il me faut sa marque. En espérant qu'on l'ait du premier coup, ce serait nickel. Pas besoin pour son trophée, parce que je l'ai déjà. Là, on va quand même prier pour le cas où de l'avoir du premier coup. Chiotte. Ah, c'est qu'il m'en faut 5 en plus. Il m'en faut 5, j'avais pas vu ça. Il est déjà parti, lui. Il m'en faut 5. Bon, après, ça va, Isolda, je peux le fermer toute seule, mais peut-être que bête ultime, je suis pas sûre. D'accord, ok, donc c'est lui. Mmh.
Non, c'est pas lui, ok. Ta gueule, toi, reviens. Re... Bâtard. Ta gueule. En taille, ok, donc c'est bon. Mais en vrai, si j'arrive à le farm celui-là, je le farmerai peut-être toute seule. Allez. Nice, une. Comme quoi. Bon bah next canal. Du coup, comme on n'a pas réussi avec avec le mystère, évidemment j'ai plus de place. On a décidé de faire Daretta et du coup bah j'allais. Donc Daretta est un mutant. Qu'il pop de temps en temps, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai un peu zappé, mais il est en franco, donc je vais vous le montrer un peu. Donc voilà à quoi il ressemble Daretta. Donc c'est simple, il est assez simple à combattre. Donc voilà, du coup là, on va aller récupérer le reste pour ensuite repartir farm le reste. C'est parti! Donc, pour avoir la marque d'Épine Méloman, il faut aller voir. Association Arcanum, et il faut prendre cette formule là, donc il faut 10 pierres de guerre, donc ça va, j'en ai 200 à peu près. On va aller voir Vidar pour aller acheter ce qu'il faut, si j'arrive à passer. Hop. Donc où est-ce qu'on va le trouver? Il nous faut Épine Combatteuse. Épine, épine, épine. Il n'y a pas d'épine là-dedans. Épine combatteuse. Donc il faut 5K. Hop là. Et hop, vous fiez pas au bordel du sac. Tac. Et on va aller faire fusionner. Attendez, comment est-ce qu'on fait déjà ça? Et crotte. Barre magique. Est-ce que ça a fonctionné si je le fais avant, même si j'en sens que ça va pas être ça. Sinon, au pire des cas, j'irai le faire tout à l'heure. Parce que là, on va aller farm pour la deuxième guitare, l'instrument du diable qu'il nous faut. Apparemment, il a 4 cratères météoritiques. Et ça, je l'ignorais. Ouais. Bon, eh bien, vous savez quoi? On le fera. Parce que c'est pas marqué en plus ça là-dessus. Ah, si, travail niveau 9. Ok, bon, bah, on fera ça plus tard. Quand j'aurai eu la guitare qu'il me faut. En attendant, ça va tout en bas. Et on vous repasse en raid. Je sais pas ce que c'est. Voici, c'est bon, c'est ça. Hop. Donc, apparemment, la guitare est à l'HQ75 Créto. Matar cratère météoritique, on va y arriver. Et c'est au dernier boss, donc et apparemment le donjon est assez hard. Donc, et ben on va essayer de l'avoir du premier coup, hein? Ce serait pas mal. Et c'est parti! Donc, il se peut que cette vidéo soit un peu plus longue, enfin, elle sera longue même. Bon, nous voilà du coup au dernier boss. Par contre, pourquoi est-ce que je suis en train de crever comme une merde là? On va éviter de tout se retaper chemin, ce serait sympa. Faut pas buter tous les boss avant. Donc petite astuce, faut tuer tous les boss. Bon, je me sens un peu douté, mais on dira rien. Bon, faut être en barde. Est-ce qu'on va s'amuser? Oui. Fidèle, j'ai jamais joué fidèle, mais c'est pas grave. Alors, il faut une guitare et ça, j'ai en stock. On va pas utiliser la 60.
guitare, 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 guitare. Là. Ok, bah je compte sur toi, Kerry. Comment est-ce qu'on joue avec le fidèle machin chose? Faut pas faire la BP ou un truc du genre avant par contre? Non, parce que je sais pas dire, mais voilà. Là, ce serait peut-être mieux de faire BP, non? Bon, j'ai enfin fini à choper cet instrument de merde de mes ovaires. Clairement, j'en ai ras le cul d'avoir fait ce fameux donjon. Donc du coup, au niveau... Enfin, j'avance... clairement, j'avance un peu. J'ai tous les cristaux célestes du bête ultime. Il me reste juste d'Isolda. Enfin, il me reste plus qu'un. Et il me restera juste demain à faire les HQS si j'ai le temps. Et j'espère avoir le temps. Donc c'est pour ça que je préfère faire ça en 2 jours, parce que je me dis qu'en fait demain j'aurais clairement pas eu le temps. Donc voilà. Sachant que les boss de Labo Bingo. Et voilà quoi. Ils repopent toutes les 3 heures, on va dire, clairement. C'est entre 2 et 3 heures, mais clairement on a entendu plus de 3 heures, donc. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça. Et je vais les craft. Choupi. Putain, tu fous de ma gueule là? Putain, j'ai pas pris un bon truc. Et bah oui, bien sûr, c'est le truc le moins cher, mais non, tout le reste c'est... Oh putain, non mais c'est quoi ça? Ils veulent ma thune ou quoi? Bon bah côté Dark Expert. Putain, sérieusement quoi. Ça sert à quoi de mettre autant de pourcents en taxes? Sérieusement quoi. Encore 10, voilà, c'est. Ouais, ça se coûte même cher, quoi. Merde. Bon, c'est là, hein. Non, je sais même plus où c'est. C'est nickel, ça. Bon, bah voilà, on va claquer 300 balles, à mon avis, à tous les coups. Ouais, bah ça revient au même, quoi. Hop. Et voilà, et maintenant il me reste bah, ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Yes. Bon bah du coup je pense que je reprendrai la vidéo demain. Parce que je pense que Isolda je pourrais peut-être la finir ce soir. Puis bah le reste ça sera demain. Voilà. Bon jour suivant, du coup il me reste juste le noyau cinétique à choper, donc en HQS. Donc j'ai réussi à choper le reste, donc merci aux gars surtout. Donc merci à toi Kiri et voilà. Du coup là on va faire la dernière partie, donc c'est schiste. Oui au fait j'avais craft je sais, si bah si j'avais dit ça. Entre hier et aujourd'hui voilà hein. On va dire ça. Bon j'imagine qu'il va falloir faire la BP. Bon, nous y voici, il va falloir que je prenne 2 gourdins, ça va être nickel. Gourdin, 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 c'est où? Là. Allez! Bah, tous ma journée! Donc, c'est sur lui qu'il nous faut les trucs. Oh putain! Je veux bien croire qu'on est samedi, mais quand même, la connexion me lâche pas, s'il te plaît. Ok, hop, système.
bien, mais attendez. Je sais pas si ça va arranger la chose, mais bon, tant pis quoi. Allez, j'ai pas toute la journée. Petit con! Je l'ai pas eu, donc je reprends une fois que je l'aurai. Bon, donc du coup, ça doit faire à peu près une... Enfin, on est mercredi aujourd'hui, donc je pense que vous l'aurez deviné. De samedi à mercredi, il est passé pas mal de choses entre-temps. Et bon, voilà, je vais pas en reparler plus. De toute façon, vous savez pourquoi est-ce que... Enfin, de toute façon, les HQS qu'il me fallait, c'était samedi et aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Mais en une seule entrée, j'ai enfin réussi à avoir cette salope de noyau cinétique. Excusez-moi pour mon langage, mais au bout d'un moment, quand tu fais 10 entrées, t'as rien. Au bout d'un moment, tout ce que t'as envie de te faire, c'est la corde au cou. Donc du coup, je sais plus ce que j'ai dit la semaine dernière et j'ai la flemme de réécouter ma vidéo. Donc du coup, c'est pas grave. Enfin, le début prometteur, on va dire entre guillemets. Donc du coup, ça y est, j'avais crafté ça dans la mare magique à je sais plus où. Ça, j'avais fini par les avoir. Kiri m'avait aussi aidé à les avoir parce que voilà, j'en pouvais plus. Et il me semble que j'arrêtais pas de crash ou je sais plus trop quoi. Ou je devais aller travailler, je sais plus trop. Ça, je l'avais eu. Bah, de toute façon, grâce à Kiri, j'ai eu pas mal de trucs. Bref, du coup, bah là, il me reste juste à rendre cette fameuse quête pour avoir la fameuse guitare éveil. Et elle est vraiment stylée. Et hop là. Ça y est, je l'ai. Donc du coup, je pense que je vais la monter un petit peu en plus 10, peut-être, à voir. Hop. Donc du coup, je vous remettrai quelques infos dans le descriptif. Et bah, sur ce, bah, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon confinement pour ceux qui y sont comme moi. Pour ceux qui travaillent, bon courage à vous, bon cours par télé machin bidou chouette. Salut!